Bonjour. Quelle est l'utilité des arbres pour l'humanité? L'arbre fournit des fruits pour nos repas, du bois pour nos constructions et pour nos œuvres d'art, de la sève pour fabriquer des remèdes ou des parfums, et ils nous abritent du soleil sous leur feuillage. L'arbre contribue à purifier l'air que nous respirons. L'évapotranspiration des arbres constitue la source des pluies qui permettent au cycle de la nature de se poursuivre et de combattre la sécheresse. Le simple fait de les regarder, un arbre, avec les yeux, est un apaisement pour nos esprits. L'arbre est donc réellement, comme nous le rappelle le livre de la Genèse dans la Bible, un arbre de vie. Et Jésus, quand il parcourait la terre, il s'arrêtait pour contempler la beauté semée par le Père. Et il invitait ses disciples à reconnaître dans les choses un message divin. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères qui devient un arbre. Le bouleau est un arbre qui parvient à pousser sur des terres pauvres et souvent silencieuses et des altitudes élevées jusqu'à 2000 mètres. Il nous donne la preuve que la nature peut surgir et croître même dans des conditions défavorisables. La particularité du bouleau vis-à-vis des autres arbres et des autres plantes, c'est que le bouleau est considéré par les botanistes comme une plante pionnière. Cela signifie qu'il est toujours le premier à être planté et à se développer dans des zones que l'on souhaite reboiser. Par sa présence, le bouleau favorise ensuite la croissance de d'autres arbres et d'autres plantes. Chaque être humain, même avec ses fragilités et ses handicaps, peut devenir une terre fertile, une source de joie et d'espérance pour les autres personnes. Chaque être humain est doté d'un talent et est capable de développer ce talent pour le mettre au service de l'humanité. Pas au service de soi-même, mais les autres. C'est alors facile, dans le silence, dans la prière, de penser à des personnes que tu connais qui donnent de leur temps, de leur énergie au service des autres. Tous ceux et celles qui s'engagent pour aider les pauvres, pour redonner espérance et bonheur de vivre. Si nous nous arrêtons à l'apparence, nous risquons de ne pas aller à la rencontre des autres. Si nous acceptons de dépasser cette première impression, nous pouvons découvrir la beauté de l'autre, comme on découvre la nature, la création de Dieu. J'aime beaucoup cette prière de François d'Assise, et la voilà. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants comme toi tu les vois, toi-même, et ainsi ne rien voir que le bien de chacun. Ferme les oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux,
que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revête-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Il faut apprendre à garder les yeux grands ouverts et s'émerveiller des choses les plus simples dans la création qui nous a été prêtée par Dieu, le Créateur. Oh que oui, Dieu est beaucoup plus proche de nous qu'on peut se l'imaginer. Bonne journée à toi.